L'ouverture du village de la Canne à Douala 3e est une réalité. Et c'est le président du comité de site de cette compétition continentale dans le littoral, le gouverneur Samuel Dieudonné Ivaha Dibois, qui a présidé la cérémonie relative, riche en sons et en couleurs. Plus si nombreux découvrir le village de la Canne dans cet arrondissement, œuvre de monsieur le maire de cette commune, des forces vives de cet arrondissement et des divers partenaires. C'est tout à fait nouveau dans l'esprit des Camerounais, puisqu'en 72, nous n'avions pas de village de Cannes ni de Fanzou. C'est donc une grande première et cela participe des très hautes instructions du chef de l'État qui a souhaité que cette Canne soit une Canne de la fête, une Canne du rayonnement camerounais au niveau africain et même international, une Canne des grands talents, une Canne des grandes opportunités. Nous voulons dire que cet espace qui est offert à nos populations ainsi qu'à tous nos invités d'ici et d'ailleurs, cet espace se veut un espace culturel du Cameroun. Le village de la Canne en lui-même est situé sur l'esplanade de l'hôtel de ville de Douala 3e. Les mesures sanitaires et sécuritaires sont prises pour permettre aux populations de regarder les matchs en toute sérénité. Nous avons une cuisine de qualité, une cuisine professionnelle. Nous avons 1500 places assises et debout. Nous avons un écran géant de 12 mètres qui va être installé jeudi. Et nous avons à peu près, je pense, 6 ou 7 téléviseurs tout autour du site. Et nous avons un orchestre qui est là 24 heures sur 24. Nous allons être ouverts 24 sur 24. Ça veut dire qu'à tout moment, vous pouvez venir ici célébrer, soit regarder le match, soit participer aux différentes compétitions que nous allons organiser. Nous allons avoir des conférences avec les différentes couches sociales. À travers l'ouverture de ce village, la Canne a déjà débuté. À Douala, place au jeu.